La nuit tombe sur Bayonne, les rues se vident, les volets se ferment, mais une lumière s'allume au fond de la petite rue des Augustins. Depuis 20 ans, 3 à 4 soirs par semaine, la Luna Negra ouvre sa scène à tous les talents. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. Ah, nous y voilà. Pas trop tôt, il aurait pu commencer par là, cher père, on perd moins de temps. C'est pour mieux te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. C'est affreux. Tu pleures. Ça te fait pleurer. Eh ben pleure, chérie. C'est toi qui as voulu que je te raconte l'histoire. Allez, j'éteins la lumière. Dors, chérie, fais ton rêve. Pendant 1h15 sur les planches, Bernard Azimut emmène le public dans son univers décalé et burlesque, sans décor ni trucage sophistiqué. Ici, tout repose sur la performance de l'acteur. Pas facile de prendre les spectateurs seuls, en face à face. Ce soir-là, la magie opère. La surprise, on a des gens un peu connus et qui sont de grande qualité. Et voilà, c'est varié, il y a beaucoup de choses à voir. Et on a toujours été satisfaits. Voilà, et on passe de bonnes soirées. L'avantage, c'est que quand il y a des gens qui font des petites scènes, c'est que tu es proche des artistes et ça te donne un peu plus d'énergie. Et enfin, ils transmettent, c'est eux qui transmettent l'énergie. Et on passe un super moment. Le directeur de la Luna Negra est soulagé. Son programme du soir a séduit les 70 spectateurs présents. C'est un échange proposé, mais ce n'est pas toujours un échange partagé. Donc ça tient à peu de choses. Le public est vivant, il va, il vient. Et donc quand ça fonctionne, quand l'alchimie prend, eh bien, c'est toujours très agréable. Bernard Azimut est à Bayonne pour 4 représentations. Chaque fin d'après-midi, il peaufine les sketchs, les entrées, les sorties, les lumières, avec une grande minutie. Attends que je remarche pour changer la lumière. D'accord. La lumière, à ce moment-là, tu claques la porte. Voilà, c'est bon. Car les petites salles demandent au moins autant de précision que les grandes. Dans les grandes salles, j'ai plutôt moins le trac. Parce qu'il y a un beau plateau, parce que aussi c'est différent. Et là, on est plus près du public, effectivement. Et puis, je vais vous dire, dans les premiers jours, on n'était pas très nombreux. Là, heureusement, ça vient. Et moins il y a de monde, plus c'est dur. L'homme clé de la salle, Philippe, le régisseur, veille à la réussite technique des spectacles. J'ai ma conduite, j'ai le texte du spectacle avec toutes mes notes pour savoir exactement à quel moment il faut envoyer un effet, son ou lumière, ou les deux. C'est ce qui me permet, moi, de suivre le spectacle, de l'habiller, en fait. La Luna Negra est née de la passion de Jean-Michel Dupont-Garcia. Pur bayonnais, amoureux du monde du spectacle, il a décidé de créer son cabaret. En 20 ans, 2600 représentations s'y sont déroulées. J'avais très très envie depuis toujours. Le café de la gare de Paris m'avait fasciné. J'avais envie de monter un café-théâtre, un cabaret. Et donc, les locaux étant là, je me suis dit, bon, allez, on tente le coup. Et on a transformé le lieu qui était plutôt un bar-restaurant. On a créé une salle de spectacle. Et donc, voilà, l'aventure est partie. Et ensuite, le métier entre. C'est d'un ou deux musiciens au début, les coefficients multiplicateurs, 2 × 2, ça fait 4, mais 4 × 4, ça fait déjà, et ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, on est saturé de demandes. Aujourd'hui, avec 5 employés et une vingtaine de bénévoles passionnés comme lui, il prépare la programmation de l'année prochaine, en veillant toujours à varier les plaisirs, à garder un esprit ouvert et éclectique. Il va y avoir pendant une soirée théâtre, la fois d'après plutôt une soirée musique du monde, et la fois d'après une soirée chansons françaises. Le but étant d'aérer la programmation pour que le public concerné par le genre proposé ne soit pas sollicité toutes les semaines. Une nouvelle soirée se prépare, cette fois-ci, des musiciens s'emparent de la salle. Nico Wayne Toussaint va jouer 4 soirs avec des invités pour fêter l'anniversaire de la Luna. Ah, ça fait un petit intermède. Ça suffit, voilà. Ouais, c'est ça. À chaque couplet, du coup, on ne fait pas le passage sur le 3, tu sais. D'accord. Avec Nico, on a un set bien établi.
on se connaît, ça fait des années. On a pas de... Des fois, il nous dit, bon, on pourrait voir tel morceau. Donc, pendant les balances, on en profite en fait pour répéter un petit peu et pour affiner, se mettre d'accord. Nico Wayne Toussaint a débuté sa carrière ici même, il y a 20 ans aussi. À l'époque, il y joue tous les mercredis avec des musiciens du Pays Basque ou bien de passage. Cette scène a été sa salle de classe. À l'époque, je travaillais beaucoup le répertoire, le style. Enfin, j'étais vraiment en construction du style. Et donc, ça permettait d'essayer des tas de choses, quoi, tout le temps, sans aucune pression. Donc, pour moi, je trouve que c'est la meilleure école, disons, hein, pour des gens qui veulent jouer cette musique-là. Ce soir, le directeur a le sourire. Les fans de Nico Wayne sont au rendez-vous. Les quatre concerts sont quasi complets. En coulisses, le groupe est prêt. Le show peut commencer. Quand on entre ici, il y a une âme parce qu'il y a une longue histoire de musique, d'amitié. Et ça se sent quand on rentre dans un lieu. Là, il y a des bonnes ondes. Là, il y a une mémoire et une âme. C'est le cas ici. On 20 ans après, la Luna Negra continue d'éclairer les nuits bayonnaises.